Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Il est temps de recevoir Oda et Dako. Ça va les gars? Merci, merci d'être là les copains. Merci à toi. C'est un plaisir d'être là. Franchement, j'ai cassé la tête à tout le monde pour vous avoir. Parce D'accord. que la vidéo que je vous ai montrée, vous chers auditeurs qui sommes, qui êtes également, pardon, sur Dailymotion, vous voyez le talent qu'ils ont. Et moi, ce que je kiffe chez vous, c'est l'improvisation. Et vous êtes tous, vous êtes des chanteurs, des humoristes. C'est un kiff de vous avoir. Merci vraiment. Merci à toi. Et là, je crois qu'en vous installant, vous m'avez dit, moi, le gars, je le connais de la vidéo. Ouais, il s'appelle Kalilou. C'est un pote à nous. Il habite à Marseille. Ouais. Et donc, on était avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait une scène avec lui dans le théâtre d'un autre pote qui s'appelle Ali Bougueraba. D'accord. Et donc, c'est un humoriste sur Marseille. Il fait des petites vidéos comme ça parce qu'il maîtrise bien l'accent africain. Ah ouais, il est fort. Plocas, il sera sur Paris, on te le ramènera pour te faire ça en live. Ah bah, franchement, c'est un kiff. Mais avant, les gars, avant que vous nous fassiez marrer, qu'on se fasse cette impro parce que ça réagit énormément. Il y a beaucoup de tweets. On balance déjà des premiers mots. Je voulais revenir un petit peu sur votre parcours et comment le grand public vous a découvert, vous. Et je vois qu'en tout cas, c'est ce qui ressort, que Nawal Madani, elle a eu un impact favorable sur votre carrière également. Elle vous a aidé en tout cas. Yes. Elle nous a nommé première partie officielle, donc c'était cool, hein. Elle nous a beaucoup aidé dans notre parcours et on la remercie encore de tout. En fait on l'a rencontré, on venait juste de démarrer, elle était en pleine ascension. Ah, vous avez donné un coup de pouce du coup. Et donc après elle nous a amené en tournée avec elle dans toute la France, on a fait les Zénith, Olympia et tout, donc c'était mortel. C'était un bon coup de pouce pour nous. Et si c'est une fille qui est bien dans la vie, ça, elle est sympa. C'est une machine de guerre, Nawal. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est faite toute seule et elle a un objectif et c'est une travailleuse de dingue. Et vous connaissez un petit peu Tonio? Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu ses vidéos? On a Facebook, quoi. Facebook, tu connais Tonio, ça me paraît logique. Et toi, Tonio, d'ailleurs. Il est plus dans mon fil d'actualité que certains gens. Ouais, forcément. Ah ouais, ça partage. Hein. C'est ça. Il est très très bon. D'ailleurs, Nawal Madani, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'elle fait pas mal de vidéos également. Je la kiffe de ouf, Nawal Madani. Pour moi, c'est la number one. Et je lui souhaite que du bien. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elle avait partagé une de vos vidéos sur Instagram à un moment? Ouais, c'est possible. C'est possible, ouais. C'est carrément possible. C'est bon, je vois où vous avez vu, alors c'est bon. J'avais peur de me tromper, mais c'est bon en fait, c'est bon. Vous avez déjà vu quelque part. Ouais, on a tourné 2 ans avec elle, donc ouais, forcément. Plus... Vous êtes chaud, en fait. Ah, bien vu, les gars. C'est sympa, là, cette interaction, là, comme moi, ça. Il y a qu'au Rico Show qu'on voit ça. Moi, j'adore. Il faut dire que cette personne qui est de Vassana, il est stagiaire avec nous sur Beansport. Ouais. Pas vrai. Et il m'a apporté les croissants. C'est un stagiaire qu'on n'a pas gardé longtemps. Droit de parole. C'est vrai que tu ne me l'as jamais dit, elle ne rien dit. Ah bah vous êtes la chance, parce que moi, il m'apporte que les emmerdes. J'étais en stage pendant la Coupe du Monde 2014 à Beansport, donc forcément, à Beansport, tu te retrouves à Radio VL, voilà la transition. Mais j'étais en stage avec ces messieurs, on faisait la matinale, l'expresso, gros big up à Thomas Vilches, Vanessa Lemoine. Il faut savoir que la matinale, ces messieurs, ils étaient là à 7h du matin. Dès 7h du matin, ils étaient là. On faisait des impros. Ça s'enjaillait à 8h du matin. Parce que vous avez fait, en tout cas, pendant 6 mois, vous étiez sur Beansport. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant avec Beansport? Vous apparaissez de temps en temps? Là, maintenant, on y va vraiment pour faire des petits coucous. Et quand il y a des invités qui nous parlent. Ouais. Là, ce matin, il y avait Djibril Cissé. On va passer, on va lui faire une petite impro. Bien sûr. Donc c'est vraiment là, on n'a plus le temps pour y être tous les matins. Ouais. Mais on passe de temps en temps pour leur faire un petit coucou, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, si on veut vous voir, les gars, si on veut kiffer, on le rappellera au cours de cette émission, mais on peut vous voir au théâtre Le République, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on voit? Moi, j'ai pas les dates précises. Je sais que vous êtes depuis le 19 octobre. Mais c'est, c'est quel jour si on veut vous voir, les gars? On bouge on a un peu de comme fixe, en fait. Si ouais, ça bouge. Les semaines où on est là, par exemple, la semaine dernière, on était au Sénégal, donc il y avait pas de date, mais cette semaine, on en a 3. En gros, on essaie de tenir 2 ou 3 dates par semaine. D'accord. Et c'est toujours 20h ou 21h30. Ok. Donc en général, c'est jeudi, vendredi, samedi. De toute façon, moi, j'ai vu quand on tape Oda et Dako, on a de quoi se fournir les places. Donc vous allez sur Google et c'est parti. Vous allez les voir parce que vraiment, c'est deux génies. On m'a dit qu'en plus, dans vos spectacles, il y a de l'impro. C'est quoi? C'est 50-50? C'est 50-50. Nous, l'idée, c'est de faire un show unique, en fait. C'est que chaque spectacle, il est différent parce que les gens, en fait, nous donnent des mots, on interagit tout le long avec eux, donc ils peuvent revenir et ça sera pas le même spectacle la fois d'après, quoi. On va mettre cette impro en avant. Allez. Et je sais qu'Alborz, il y a énormément de mots via le hashtag Ricocho, et donc c'est tout logiquement, les gars, que je vous propose, de choper ces 5 premiers mots.
Attends, prendras que 5 toi. Ben, on va commencer, on va faire 10 les gars. Ah mais avant la vous, ouais, vous c'est 10, c'est ça hein. Ah non, non, c'est 10. Ah, c'est 10. Ah, petit... ah les gars, ils n'aiment pas la facilité. Ils sont demandeurs, ils n'aiment pas la alors, facilité. Alors on va faire un truc, on fait l'impro tout de suite, c'est ça? Alors oui, alors il y a énormément d'auditeurs, vous avez les tweets en fait qui défilent devant vous. Ouais, alors sachez une chose, vous tweetez via le hashtag RicoShow, ils sont là, ils regardent l'écran et à tout moment vous sélectionnez un mot. Et là, pour l'instant, c'est Alborz qui va nous énumérer quelques mots et vous allez voir s'il y en a un qui vous plaît et qui est compliqué comme vous les aimez, les gars. Parce que je sais que vous, ce qui vous intéresse, c'est la difficulté. J'ai cru comprendre. C'est ça, ça, ouais. Vas-y, moi, Alborz. Oh, grand classique, on a les constitutionnellement, les anti-constitutionnellement. Il y a Miami qui me dit métaphosphorique. Oh là là, plus les mots sont parallépipèdes. Oh Alix, est-ce que tu en as quelques-uns? Moi, j'ai un cucurbitacé qui pointe le bout de son nez. Cucurbitacé. Eh ben, tu sais quoi, Alix? Oui. Alix, tu vas venir, tu vas tenir à jour le tableau. Mais c'est toi qui vas être responsable de ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va choisir les mots ensemble. Bah, et une fois qu'ils seront choisis, on vous mettra durant toute la pause musicale le tableau face caméra. Comme ça, vous verrez bien les mots qu'on a sélectionnés. Alors, premier mot que vous souhaitez, les garçons, comme ça, au fini. Cucurbitacé, c'était cool. Alors, je te souhaite bonne chance sur l'orthographe. C'est pour ça que je t'ai donné le fardeau. Métaphosphorique. Ouais, métaphosphorique. Ça, on va tout prendre. Nous, de toute façon, on a une devise, c'est qu'on ne refuse aucun mot. Ah, alors, Tonio, un mot, vas-y, tiens, toi qui es là également autour de la table, est-ce qu'il y a un mot voilà, qui te ferait kiffer? Vas-y. Réussite. Réussite. Tiens, réussite. Ça c'est pris. Alors pour l'instant on a que cucurbitacé. C'était quoi, métaphosphorique? Il était métaphosphorique. Était pas mal. Allez, on propose Jawad aussi comme on va avoir des problèmes. Vas-y. Méta, là tu vois, métaphosphorique, elle est en galère. Méta, je pense. Écrit en phonétique, pas sur B.H. Pas. Pointer le bout de son nez. Ça va bien. Fais un hiéroglyphe, ça passe. C'est passé. En régie, parce que ce soir, c'est, je sais que je dois vous prévenir à l'avance. Préparez-moi la musique love, parce qu'on a le jeu d'improvisation avec Mouni qui arrive. Mouni, on se prépare sur le jeu d'improvisation. Oui, et nous, on va. Mais tiens, tu sais ce que je tu vas mettre en fait. Tu vas mettre Ricochot. Tiens, c'est le nom de l'émission. Ils vont réussir à nous le caler. Il nous reste le dernier mot. On va se le garder pour le dernier à la fin de ton jeu d'improvisation. D'accord. C'est parti. Aux garçons, les gars, on vous a préparé un truc. Je vous explique. Ceux qui nous écoutent à la maison, vous balancez le hashtag RicoShow. On a un dernier mot sur les 5. Bien sûr, il y en aura 10, mais ça, ce sera après la pause. Donc, vous balancez les mots. Les garçons sont devant les écrans. Les gars, le principe. Elle démarre une phrase pour chacun de vous. Elle va vous citer au départ. D'accord. Et puis après, vous continuez. Et c'est allez. On se met la musique love, c'est parti parce que c'est un peu c'est un peu chaud. On est dans la c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Vas-y Mimi, tu démarres. Alors pour un tour chacun. C'est pour Odal. Hein. C'est moi. C'est au moment où j'ai ouvert les yeux que. Donc là, attends, juste pour reciter, c'est. Je ça, dis le début de la phrase. C'est moi qui dis ça ou c'est toi? Non, c'est moi. Je commence le début de la phrase et tu finis la phrase. Tu finis la phrase comme tu veux, la one again. Il y a la musique pour t'inspirer. Il y a ça, on est dans l'amour. Allez, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ce que tu veux. On se la refait. Je recommence. C'est parti, vous êtes dans le RicoShow. Il est 21h56. On est avec Odal. C'est au moment où j'ai ouvert les yeux que j'ai vu la beauté de tes cheveux. Ah! Ça chauffe. Mouni, elle a fait un 360 sur le siège. T'as un pouvoir, frérot, t'es solide. D'accord, c'est pour toi. C'est tellement bon que... Faut faire des rimes ou pas? J'ai pas compris. Bah, tu fais ce que tu veux. Comme tu veux, t'es libre. C'est tellement bon que... on dirait du saucisson. Voilà. Dédicace à tous les Algériens. C'est pour vous. Et d'ailleurs, les Algériens sont nombreux parce qu'on a souvent été ici en TT Algérie avec l'émission. Donc ils sont là, allez-y les Algériens, tweetez via le hashtag RicoShow Mouni. Une pour Oda. Pour Oda. Je n'avais pas le choix dans la date. Ça trouble. Je n'avais pas le choix dans la date. Pour la date. Donc j'ai décidé de t'accorder toute ma vie. Oh, oh là là. Une dernière pour Daco. Il m'a fallu au moins une heure pour te rendre compte que c'était une erreur. Vous êtes dans le RicoShow, il est 21h57, on va se régaler, il y a Odal Daco, il y a Tonio là.